Bonsoir tout le monde. Ravi encore une fois de vous retrouver. J'espère que vous êtes en bonne santé. Pardonnez-moi de mon absence. Donc aujourd'hui, on va faire une séance concernant le cours marché de capitaux. C'est un cours très intéressant, très utile pour les étudiants de droit. Donc, marché de capitaux pour entamer le développement de ces axes qui sont en quatre parties. La première partie concernant le concept de base et la deuxième partie intitulée marché monétaire, puis la suivante partie intitulée marché financier, et la dernière, c'est-à-dire la quatrième partie, nous donne une idée sur le marché d'échange. Donc, pour développer ces titres, en commençant par la première partie, intitulée Concept de base et généralité. Ceci confirme cinq sous-titres, disons. Donc, on va parler sur les rôles et fonctions des marchés de capitaux, le comportement de marché de capitaux, ensuite les acteurs de marché de capitaux et risques sur le marché de capitaux et le taux d'intérêt. Donc, en ce qui concerne le rôle et fonction des marchés de capitaux, on va parler sur le financement permanent de l'économie nationale. On va parler sur les structures de la liquidité de l'épargne, aussi les services de référence pour apprécier la valeur des actifs. Et ensuite, contribuer à la mutation des entreprises et les négociations quasi permanentes de risque. Ça, c'est les rôles et fonctions du marché des capitaux. Ensuite, élucider en ce qui concerne le deuxième sous-titre intitulé les compartiments de marché de capitaux, donc que ce soit les critères de classification des marchés de capitaux ou les compartiments des marchés de capitaux et même les grands marchés de capitaux en volume. En outre, le Maroc, un marché de capitaux émergent.
D'autre part, le troisième sous-titre, concerne les acteurs des marchés des capitaux. En ce qui concerne les organismes à caractère officiel ou les intervenants, et aussi les prestataires de services. Quatrième sous-titre, ce sont les risques sur les marchés de capitaux. Ces risques du marché, que ce soit l'identification des principaux risques financiers ou que ce soit les outils de gestion des risques financiers. En cinquième sous-titre, intitulé les taux d'intérêt, en général, c'est une définition et convention à ne pas discuter. Et les calculs des intérêts, et les taux actuariels, les courbes de taux et les taux de référence. Donc, tout ça nous emmène à savoir quels sont les concepts de base et les généralités de marché de capitaux. Ensuite, on part au deuxième titre intitulé marché monétaire. On a entamé l'entrée au cours de marché de la capitaux en 4, en 5 titres. On vient de développer le premier titre. Maintenant, on va développer le deuxième titre concernant les marchés marchés monétaires. Le marché monétaire, à son tour, on va le partager en cinq sous-titres. La première concernant le marché monétaire interbancaire. Le deuxième concernant le marché monétaire élargi. Et la troisième partie concernant la régulation de marché monétaire. Et on passe au marché des bons des bons de trésor émis par adjudication. Ensuite, on va voir nos marchés des titres de créances négociables privées. Donc, revenons au premier sous-titre intitulé au marché monétaire interbancaire. Elle se résume en cinq principaux règles, que ce soit les intervenants, les formes de transactions, le volume de transactions et la durée des transactions, et puis la détermination des taux d'intérêt. Ça, ce qui concerne le marché monétaire interbancaire. Ensuite,
On passe au 12e sous-titre, intitulé Le marché monétaire élargi. Tout ça concerne le marché monétaire. En général, c'est une définition qui résume le marché monétaire élargi et les intervenants et formes de transactions. Et on part au troisième sous-titre intitulé La régulation de marché monétaire. Et ce régime en réserve monétaire obligatoire, mesure de régulation par les pensions et l'évolution récente. Le quatrième sous-titre intitulé Marché des bons de trésor émis par adjudication. On part des caractéristiques des bons et soumissionnaires, puis aux intermédiaires des valeurs de trésor. Les modalités de l'adjudication et enfin le marché secondaire des bons de trésor émis par adjudication. Le cinquième sous-titre intitulé Le marché des titres des créances négociables privées. Révèle les formes des titres de créances négociables privées et le fonctionnement du marché et les protections des épargnants. On part à la troisième partie intitulée Marché financier. Donc on vient de finir vers le deuxième titre intitulé Marché monétaire. On passe au marché financier. Le marché financier de son tour et on va le diviser ou le partager en trois parties, en trois sous-titres. Le premier sous-titre, valeur mobilière. Ici, on va parler sur et qui comprend les actions et les obligations. Deuxième sous-titre, le marché, concernant le rôle de marché financier et le fonctionnement de marché financier. Donc, le rôle de marché financier et le fonction de marché. Fonction de marché financier. Le troisième sous-titre, gestion collective de l'épargne. Que ce soit les formes et les gestions et les commercialisations, ou que ce soit les typologies, ou les notions de risque et rendement. Les notions de risque et de rendement. Et on part au quatrième partie intitulée Marché de change. Ce marché d'échange, on va le partager en deux parties.
L'une intitulée Marché d'échange international et l'autre intitulée Marché d'échange au Maroc. La première partie Marché d'échange concernant le marché d'échange international. Elle comprend les intervenants sur le marché d'échange, la motivation des intervenants internationaux, aussi les opérations sur le marché d'échange, les stratégies et couvertures de risque de change, et enfin les positions de change. Et ensuite, on part au deuxième titre, sous-titre, concernant le marché d'échange au Maroc. Donc, on part du marché d'échange international et ensuite on part sur le marché d'échange au Maroc. Le marché d'échange au Maroc. On part sur la naissance et particularité du marché d'échange marocain, aussi les intervenants sur le marché d'échange marocain et les perspectives de l'évolution. Les perspectives d'évolution. Donc, tout cela nous emmène avoir une idée sur le marché de capitaux. Marché de capitaux. On a vu le marché financier, marché d'échange, marché monétaire et les concepts et les généralités. Donc en ce moment, je vous souhaite une bonne soirée. Excellente. Bonne soirée. Merci de votre soutien. Au revoir.